السلام عليكم ورحمة الله شهادة البكالوريا امتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة العادية 2021 شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية كوركسيون التصحيح الجزء الأول تمرين الكيمياء تمرين الكيمياء في جزء الأجزاء الجزء الأول اتيد سينيتيك دون رياكسون شيميك والجزء الثاني اتيد دون سوليسيون أكاز دون أسيد كاربوكسيل بارتي 1. Étude cinétique d'une réaction chimique. L'une des plus anciennes réactions de synthèse est la fabrication du savon. Le savon est un produit composé de molécules obtenues par réaction chimique entre un composé organique et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Cette partie de l'exercice se propose d'étudier par conductimétrie la cinétique de la réaction de synthèse d'un savon. Cette réaction se produit entre l'éthanoïde d'éthyle de formule. CH3, COO, C2H5 et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na plus HO-. À un instant choisi comme origine des dates T égale 0, on introduit en excès l'éthanol d'éthyle dans un ballon contenant une quantité de matière N0HO- est égale à 10 puissance moins 3 mol d'ion hydroxyde. On obtient un mélange réactionnel ayant un volume V0 est égal à 100 ml. Il se produit sous une température constante une réaction modélisée par l'équation chimique suivante. CH3COO C2H5 plus HO- donne CH3COO- plus C2H5OH. Première question. Dresser le tableau d'avancement de cette réaction et déterminer la valeur de l'avancement final XF, sachant que cette réaction est totale. Alors, le tableau d'avancement, l'équation chimique. L'état de système, l'avancement, la quantité de matière, on va, on va prendre deux états, l'état initial et l'état final. On peut ajouter l'état intermédiaire et on trouve ce tableau-là. Alors on constate que ch 3 c 2 h 5 est en excès, puisque c'est en excès, donc H au moins et le réactif limitant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sa quantité de matière va s'annuler et on va tirer XM qui est, N0 de H au moins. Puisque la réaction est totale, donc l'avancement maximal est égal à l'avancement final, donc est égal à 10 puissance moins 3, qui est la quantité initiale de H au moins, qui est introduite au départ. Deuxième question. On mesure à chaque instant la conductivité sigma du mélange réactionnel. La courbe figure 1, celle-ci, donne les variations de la conductivité de mélange réactionnel en fonction du temps. La droite T, qui est cette droite-là, la voici. Représente la tangente de la courbe au point d'abscisse T1 est égale à 4. L'expression de la conductivité sigma de mélange réactionnel en fonction de l'avancement X de la réaction s'écrit sous la forme sigma égale 0.25 moins 160X, où sigma est exprimé en Siemens par mètre et X en mol. Définir le temps de demi-réaction T1 demi. Le temps de demi-réaction T1 demi, c'est la durée au bout de laquelle L'avancement x va atteindre la moitié de sa valeur finale. Donc x1 correspond à x final sur 2. Deuxième question, de 2, 2, à l'aide de l'expression sigma est égale f de x et de la courbe de la figure 1 qui est celle-ci, déterminer la valeur de T1 Alors on sait que sigma est égal à 0,25 moins 160x. Lorsque nous sommes au point T1 demi, sigma de T1 demi va être égal à 0,25 moins 160 fois x t demi. Or x t demi c'est x final sur 2. On va remplacer x final par 10 puissance moins 3 et on va calculer là et on va trouver que c'est 0,17 siemens par mètre alors lorsqu'on trouve 0,17 par mètre on va le. On va chercher sa valeur sur l'axe des ordonnées et on va trouver qu'il est ici. Et on va chercher le point qui correspond à la courbe donc on trouve et 1 demi qui est égal à 4 millisecondes. Montrez que la vitesse volumique de la réaction à un instant T s'écrit sous la forme sig V est égal à moins 1 sur 160 V d sigma sur D. On a sigma égale 0,25 moins 160x. On va tirer x qui est égal à 0,25 moins sigma sur 60. Et on on va essayer de dériver. Dx sur dt, c'est d de 0,25 moins sigma sur 160. Et on sait aussi que V est égal à 1 sur V0 dx sur dt. Ça veut dire que V est égal à moins 1 sur 160 V d sigma sur dt. Déterminer en mol mètre, mètre moins 3, minute moins 1, la valeur V1 de la réaction à l'instant T1 est égale à 4 minutes. Alors on a V qui est égal à moins 1 sur 160 V sigma sur dt, et on a la courbe et on a la tangente. Donc la vitesse devient moins 1 sur 160 V delta sigma sur delta T. Et delta sigma sur delta T, c'est le coefficient directeur de la tangente T au point qui est égal à. qui a pour abscisse 4 minutes. Donc. On va remplacer V est égal à moins 1 sur 160 le volume V est égal à moins 1 sur 160 fois V V est égal à 100 millilitres ça veut dire que c'est 10 puissance moins 3 litres et 10 puissance moins 3 ça fait 10 moins 6 et on va chercher le coefficient directeur donc on va prendre ce point là et ce point là l'ordonnée de ce point là c'est 0 et l'ordonnée de ce point là c'est 0,1 22. Et l'abscisse de ce point-là, c'est 16,8 et l'ordonnée de ce point-là, c'est 0. Et on va calculer tout ça et on va trouver V est égal à 0,78 mol mètre moins 3 minutes moins 1. Partie 2, étude d'une solution aqueuse d'un acide carboxylique, un flacon dont l'étiquette est illisible, contient une solution aqueuse SA d'un acide carboxylique de formule de concentration inconnue. Cette partie de l'exercice se propose de déterminer la concentration de cette solution aqueuse et d'identifier cet acide. Alors on notera AH pour désigner l'acide carboxylique et A- pour désigner sa base conjuguée. Toutes les mesures sont réalisées à 25 degrés. Dosage de l'acide carboxylique. On dose. Un volume Va est égal à 20 ml de la solution aqueuse SA de la concentration Ca par une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium Na plus H au moins de concentration CB est égal à 0,1 mol par litre. La courbe de la figure 2 qui est celle-ci représente les variations de pH de mélange réactionnel en fonction de VB, le volume versé à euh, de la base. Première question. 1, 1, écrire l'équation de la réaction de dosage. Alors l'équation de la réaction de dosage, c'est AH plus HO- qui donne une seule flèche A- plus H2E puisque la réaction est rapide et totale. Déterminer graphiquement les coordonnées PHE et VBE -E de points d'équivalence. Alors à partir de la courbe, on a déjà les tangentes et on va tracer la parallèle qui va... couper la courbe en un point E et on va trouver les coordonnées L'ordonnée et l'abscisse. L'ordonnée, c'est à peu près 8,8 et l'abscisse, c'est euh, 20. Donc, PHE est égal à 8,8 et VBE est égal à 20 millilitres graphiquement. Déterminer la valeur de la concentration CA. À l'équivalence, la relation d'équivalence, c'est CA fois VA égale à CB fois VBE. On cherche CA, c'est-à-dire que c'est CB VBE sur VA. Et on va remplacer, on va remplacer CB par 0,1, VBE par 20 et 20, et on va trouver CA qui est égal à 0,1, ou bien 10 puissance moins 1 mol par litre. 2. Identification de l'acide carboxylique. La solution SA est préparée par des solutions de l'acide AH dans l'eau. La mesure de pH de la solution SA donne pH est égale à 2,88. Écrire l'équation de la réaction de l'acide AH avec de l'eau. Alors on sait que. Acide AH plus H2O donne moins plus H3O. Plus, Montrez que le taux d'avancement final de la réaction, taux, est égal à 1,32%. Alors on sait que taux est égal à XF sur XM. Et d'après le tableau d'avancement, on a XF qui est égal à N de H3O, plus, qui est égal à la concentration de H3O plus fois le volume, qui est égal à 10 puissance moins pH fois V. Et. H2O est en excès, donc AH est le réactif limitant, donc CAV moins XM égale à 0. Ça veut dire que CXM est égal à CA V. Et on va remplacer dans cette expression-là, et on va trouver 10 puissance moins PH V sur CAV. On va simplifier par V. On va tirer la relation TAU qui est égale à 10 puissance moins pH sur C. Et on va faire l'application numérique. On va remplacer le PH par. 2,88 et par, euh, la concentration par 0,1. Et on va trouver 0,0132 qui est à, à peu près 1,32%. 2,3. Déterminer l'expression du quotient de la réaction QRX à l'équilibre en fonction de C à et vérifier que sa valeur est égale à à peu près 1,77 10 puissance moins 5. Alors, on sait que QRX est la concentration de la base fois la concentration de H3 plus sur la concentration de l'acide. Et d'après le tableau d'avancement, la concentration de la base est égale à la concentration de H3 plus est égale à XF sur V. Et on sait que AH est égale à CAV moins XF sur V, c'est-à-dire est, est égal à CA moins XF sur V, c'est-à-dire que XF sur V, c'est H3O+. Donc, c'est la concentration de AH, c'est CA moins H3O+. On va remplacer dans TAU. TAU est égal à XF sur CA. Donc, H3O+, c'est TAU fois CA. Donc, une fois, on va remplacer dans QRX. On va remplacer H3O+, par TAU fois CA. et On va remplacer A- par TAU fois CA, c'est-à-dire TAU fois CA au carré. On va remplacer l'autre par TAU fois CA. Et on va simplifier par un ca et on trouve l'expression QRI qui est égale à taux carré fois Ca sur 1 moins taux. On va faire l'application numérique, on va remplacer taux par sa valeur et la concentration par sa valeur et on va trouver la valeur demandée qui est 1,77 10 puissance moins 5. Identifier l'acide carboxylique AH étudié en vous aidant de ce tableau-là qui donne les valeurs des pKa de quelques couples acides-base. Euh, acides Justifiez votre réponse. Alors, il suffit de déterminer le pKa pour trouver quelle est la nature de l'acide AH. Il suffit de déterminer le pKa du couple AH à moins pour savoir lequel de ces couples-là c'est AH. Donc, on a Ka qui est égal à la concentration de la base fois H3 plus sur AH. Et on a déjà trouver cette valeur-là qui est QRX et on sait que le pKa c'est moins log de Ka et on va faire l'application numérique, on va remplacer le Ka par QR qui est égal à 1,77 10 puissance moins 5 et on va trouver la valeur de 4,75. On voit bien que 4,75 c'est le pKa de ce couple-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'acide c'est CH3CoA c'est-à-dire l'acide éthanoïque et CH3CoA c'est l'ion éthanoate. Déterminer le volume VB1 de la solution SB versée au cours de dosage pour que le rapport concentration de AH sur A- est égal à 2,24. Alors on sait que le pH est égal à pKa plus log de A- sur AH. Donc le pH1 qui est égal à pKa moins log de AH sur A-, ça veut dire que le pH est égal à 4,75 moins log de 2,24. Alors en calculant ceci, on va trouver 4,4. Alors on va partir à la courbe, chercher la valeur 4,4, déterminer le point et trouver le volume versé. Donc le volume VB, c'est 6 millilitres.